Si, très bonne idée de suggestion, le flat out. Attendez voir que je vous lise. Oui, alors, il y avait de la lumière et il est entré, je le comprends, c'est fun fan tout à l'heure, là, durant les clips. J'avais oublié de me déconnecter de la vocale Discord, direct Twitch. Et donc on a continué en privé là pour que vous puissiez voir peinard les clips. Et la bonne nouvelle en fait dont il m'a fait part, c'est que le dernier épisode commenté qu'on a fait sur sa chaîne est au top record de score de visionnage sur sa chaîne YouTube. Donc il me partageait l'heureuse nouvelle. Et on est tous les deux surpris que ce soit le thème de Caméra Café qui en fait attire du monde. Je pense que ça surprendra aussi la plupart d'entre vous. Donc c'était sympa, spontanément il venait me partager la bonne nouvelle. Oui, alors pour le moment je reviens pas dans ma vocale, parce que Torota m'a dit qu'il sera là que dans une grosse demi-heure. Bougez pas, il faut que je fasse afficher le bureau, moi, si je veux accéder à mon... Il faudrait que je mette aussi... Bah, comme tout à l'heure, le Game Ranger. Le Game Ranger va aider pour beaucoup. Je sais plus comment on faisait pour héberger un jeu. Attendez, voyez mon bureau, hein, vous en faites pas, c'est normal. Ah oui, héberger un jeu, host game. Donc là, moi, ça va être Flat Out 2. Max de joueurs, je pense qu'on sera 4 grand maximum. Oui, j'ai mis Prout en description, ce qui est débile. Non, 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 non. D'accord. Alors, please wait until the finish launching. Oui, sauf que non. C'est pas le bon. C'est pas celui-là que je veux lancer, c'est l'autre. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais quiconque. Le mien, c'est le solo. Minute, minute, minute. C'est vrai qu'on avait fait un truc à part. Mon Dieu. Attendez, oh là là, c'est vrai que c'était un savant mélange. Attendez voir, c'était plus complexe qu'il n'y paraît. Non, ça va pas. Il faut même que je vous mette entre guillemets pour ma discrétion, on sait jamais, ma tronche en plein écran. Le temps que je retrouve. Flat out 2. J'avais un solo et j'avais un multi. Ouais. Là, normalement, ça devrait le faire. Alors attends, avec la version multi, je peux reprendre ma carrière solo? Grande question. Ouais. Apparemment, je peux. Alors, un joueur. Ah merde! J'ai pas branché ma manette. Merde, 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 ça me va pas. Attendez, ça me va pas du tout, moi. Je me mets à poil sans la manette. Attendez, voilà que je règle tout ça. Voilà. Oui, non, mais prends ton temps, tu une scène. T'inquiète pas, on n'est pas là pour courir. Tu me dis quand t'es prêt, tu une scène, et puis tu nous rejoins quand tu peux. Y a pas mort d'homme. On n'est pas là pour courir non plus. Là, je devine que tu déjeunes paisiblement, voilà, que tu digères pépère, et je te donne raison. On n'est pas là pour se taper un sprint. Merde, j'ai plus de port USB dispo. Ah, c'est moche.
Il va falloir que je ruse. La question est comment? Attends, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ok, je peux faire ça comme ça. Si je fais pas mon idiot. La manette, elle est là. Alors, est-ce qu'il va me reconnaître la manette que j'ai posée? Donc ici. Voilà. Attendez, j'ai pas remis le son, mais je veux voir si. Ah bah non, faut que j'aille dans le menu. Merde! Ah! Faut que j'en lance. Ouais, ça c'est le flat out en multi. Nvidia machin. Ah, c'est fastidieux. Ah! Contrôleur. Un joueur. Attends, vas-y voir. Je vais juste faire une course d'échauffement pour m'assurer que le truc est bien opérationnel. Juste pour le délire. Oui, ce serait bien, tiens, d'ailleurs, je pourrais essayer une bagnole que je ne pilote pas habituellement. Il y a la Bullet, il y a la Lentus. Ventura. La Chili Pepper, tiens. Wow! En doré, elle est pas mal. Et là, normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Alors attends, j'ai l'accélérateur mais je passe pas les vitesses. Pourquoi? Ne me dis pas que je suis en manuel au niveau de la boîte de vitesse. Si? Attends. J'ai mis manuel? Oh merde! Je dois passer des vitesses manuellement à la gâchette. Oh, ça me fait bizarre. Ah, manuellement, c'est dur. Alors, ça a ses avantages d'être en boîte manuelle, mais pour bien gérer le régime moteur, mais c'est dur. Faudrait que je repasse en auto. Une merde. Bon, bref, ça marche. Mais vous voyez, même le fait de venir à la manette en manuel, ça m'insupporte. Ça me rend fou. Donc je vais revenir au menu. Mais au moins, voilà. Je vais pouvoir poursuivre ma carrière le temps que vous me manifestez à moi pour qu'on se retrouve tous ensemble sous le jeu. Donc, dans les options, dans les options, dans les options. Attends, parce que c'est le drama là. Ah oui, j'ai mis manuel. Toi, tu m'étonnes, la bourde. Car... Oh, j'ai soif, je meurs de soif. Mon plat de ce midi m'a donné soif. Oui, bah j'avais affaire. Mais rien que ça, déjà, c'est pas évident. Ah, que je mette de la musique d'arrière-plan. Enfin, si on montre quelque chose. C'est moi ou la musique de fond n'a pas démarré, la musique libre. Oula!
si, je crois entendre quelque chose. C'est bizarre le coup du son du poing dans la figure. J'ai pas souvenir que ce soit un son dans les options Discord. Et j'ai l'impression que quelqu'un parvient à interférer sur mon direct au niveau du son. C'est étrange. J'ai dû oublier quelque chose. Dans la coulisse. Ah oui, on entend la techno. C'est bien. Vous avez un peu de musique de fond. Merde, j'aurais pas dû jouer toute la micro, c'est pas mal. Ah, ça demande de la concentration, hein. C'est la fin du jeu. Courage. Je pensais que ça passerait. Oh là là là. Oui! Oui! Je l'ai grillé sur le fil. Je suis sur le podium, bien. Wouh! Oh la vache, les temps autour. Ah, ils sont bons. Bon, Cathy Jackson, on l'a perdu. Ah, je crois savoir d'où viennent les sons. Il y a quelqu'un qui doit faire mumuse sur le... Ouais. Sur le... Merde, le Game Ranger. Game Ranger, je crois qu'il y a moyen d'envoyer des sons, mais je sais plus comment. Alors, pour des raisons pratiques, il faut que je précise. Parce que j'espère que je vous donne pas l'heureux sentiment. L'heureux sentiment, pas du tout. Le malheureux sentiment, à l'inverse. Que je vous mets un vent. Je ne vois pas mon interface de Game Ranger ou de Discord. Je ne le vois pas. Sur mon écran secondaire, je me permets de vous rappeler que j'ai mon logiciel qui me permet de gérer le chat. Pour que je puisse vous lire et interagir avec vous dans le public. Donc, si mes chers amis, vous souhaitez me rejoindre dans FlatOut 2, je vous invite à vous manifester à moi, à l'écrit, dans le chat de ma chaîne, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je préfère le préciser parce que c'est pas tout d'entendre des sons. Ah, c'est rigolo, ça fait de l'animation bonus. Ah, c'est bizarre. C'est mon deuxième jour de suite. Je sors du déjeuner. J'ai envie de faire une sieste. Enfin, je disais ça tout à l'heure. Déjà ce matin, je disais à Nayonet, je m'écouterai, j'irai m'allonger dans un plumard et regarder un truc ou écouter une émission de radio. Je sais pas, je suis bizarre aujourd'hui, je suis en mode... Ça va, franchement, hein, je dois faire des trucs, j'arrive à les faire, mais... Je voudrais pas non plus le repos, c'est rigolo, je suis dans un entre-deux, qui est pas désagréable. Voilà. Oserais-je dire comme un lundi de Pâques. Ah, Dragon. Bonjour, Dragon. Bonjour, désolé, c'est moi qui essaye de me connecter sur Game Ranger. C'est un poisson d'avril pour les sons. Ah ouais! Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié qu'on peut être victime de farce. Tu fais bien de le rappeler, Dragon. J'espère que tu vas bien. Mais oui, tu as raison, c'est des farces du 1er avril. J'avais oublié. Pourvu que je n'ai pas de poisson dans le dos.
Je l'avais fait à mon papa. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a mon... Je crois qu'il y a. Ah, si, il y a peut-être 10 ans maintenant. Oui, si, malheureusement, je crois pas que c'était ma vie. Mais la dernière fois que j'avais fait la farce d'accrocher un poisson en papier dans le dos de mon papa, j'avais ri. Mais j'avais ri. Surtout que j'avais réussi mon coup. Il l'avait gardé pendant un paquet d'heures dans le dos. C'était le. Je suis un farceur. Connaissiez. Oula, ah oui, c'est vrai, il faut inaugurer la grange là. Voilà, porte ouverte. Ce boxon sur la piste, et moi qui ne maîtrise plus mon véhicule. Oh là là! Ah oui, il y a que deux tours, attention. Je gère bien ma... Wow! Pas mal. Si j'assure le podium, déjà, ce serait une bonne chose. C'est pas gagné. La course, c'est pas évident. Tiens, je vais passer par là. Prenons du risque et faisons des variantes de tracés. Oh, on voit plus rien. Il y a trop de déchets sur la piste. Vous voyez ma faute de pilotage. Merdoum! Il y a trop de débris, je vois pas où je vais! Ah merde, bah là, vous voyez, j'ai chu au pied du podium. Mais bon, je me serais défendu. Ah! Wouah! C'est chrono, le bordel! Et je suis loin d'avoir le meilleur tour, hein. Jason qui est sous la barre des 58 secondes, alors que moi je m'étais plus d'une minute. Alors je me répète d'un épisode à l'autre, mais sachez qu'en votre compagnie, je découvrirai, mais intégralement, hein, je ne l'ai jamais lancé, je découvrirai avec vous le troisième opus de Flatout. Je connais pas du tout le troisième opus, donc quand j'aurai fini avec les championnats là, du 2 proprement, dans les semaines à venir, je pense pouvoir dire que je vais découvrir avec vous cet été le troisième opus. Et je m'en réjouis d'avance. J'espère qu'il y aura de nouveaux concurrents et surtout de nouveaux circuits. Ce sera sympa, ça va être vraiment cool. Ça va être chaud pour chaud plaisir et tout le froissé. Mais comment ça agit? C'est surtout le deuxième tour où c'était le boxon sur la piste. Il y avait que. Rien que là, déjà les déchets, bonjour. Oh là là. Trop de projectiles, trop d'obstacles. Oh là 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 là. Thank you.
C'est difficile. La compétition est relevée. Oula. Ils sont déjà du rentre dedans. Alors qu'on n'est pas sorti de la ligne droite de départ. Oula, je coupe un peu trop le tracé, faut que j'arrête. C'est abusé. Merci d'avoir ouvert la voie, ma chère Katie. Ça fait mon affaire. Merde, mon capot, la vache. Il a été arraché violemment, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a surpris. N'exagérons rien. Oh, les salopards! Mais ils vont super vite. Ah, merde. Ah, j'ai percuté Sally. Ah non, faut que je fasse marche arrière. Aïe, 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 aïe. Oh non, j'ai un pneu avec moi. Ouf. Parce que là, je voulais... Oh, je vais passer dans les stands en fond de la caisse. Quel délire. Aïe, guébé, guébé. Voiture hors de contrôle. L'accélération aura suffi, c'est bien, j'aurais même pas fait usage des freins. Donc, du coup, ça m'arrange. Wow, oh, 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 cette cascade! Cette cascade improbable non maîtrisée. Oh merde, je suis sixième. Oh, dur. Renaillonnais. Oh là là. Ah ouais, la barre est haute. La compète est difficile. Oui, je me suis capuchonné, ouais. J'ai eu un réflexe sorti de table. Je me dis, tiens, j'avais oublié que j'avais une capuche et je me suis amusé à la rabattre. Donc, du coup, vous me voyez en mode chaperon. Bon, ça change un peu. Je trouve que pour cette session de pilotage, je vous offre des belles démonstrations du jeu. C'est bien cadré, c'est bien rythmé, c'est très intéressant là, je trouve, depuis que j'ai lancé Flat Out sur l'excellente suggestion de Torota tout à l'heure. J'aime beaucoup les rediffs, là, les ralentis. Chameux captive, mon dieu, l'état de la bagnole, ça fait peur. Ouais, 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 ouais. Effectivement, Nayane, merci. Ouais, ouais, les cascades sont... valent le coup d'œil. Oui, j'ai eu du bol de retomber sur mes quatre roues.
Moi j'avais un poursuivant, j'entendais la motorisation derrière moi. J'avais la pression. Et pas celle qui est dans le verre, comme j'aime à le dire. Oh, je vais peut-être même perdre ma quatrième place à la dernière course. Balèze. Ah oui, c'est un tracé que j'aime pas. Ah, s'il y a bien un tracé que je maîtrise pas, c'est celui-là. Ok! Bonne. Oh merde. Bonne sieste à toi, Nayonet. Bon dodo, à tout à l'heure. Et une pensée pour Bastos, hein, parce que Bastos il bosse là. Il est en train de vendre à tour de bras son électroménager. Ça y fout. Ah là là, ça pour Bastos. Vais-je rattraper le leader? Grande question. Ça va être dur. Oh là là, les salopards. Merde, non! J'ai donné le coup de volant au pire moment. Bah, c'est la première fois que je vois autant le plafond du hall commercial. Moi. Je trouve que la musique est pas mal par rapport à l'ambiance de la course. Je rappelle que les deux sont complètement dissociés. Et oh! Comment j'ai giclé par-dessus le l'escalier en béton. Putain, on a pas fait un tour. Il y en a peut-être qui vont mourir avant de rallier l'arrivée là. Ah ouais, 2 minutes au tour, c'est violent, vu la vitesse moyenne. Attends, je te lirai après, Dragon. Je te lirai une fois que j'aurai beaucoup mon tour. T'en fais pas. Ah bah tiens, quand je vous disais que tout le monde va pas rallier l'arrivée, ça va peut-être être mon cas aussi, parce que là, je viens de me cracher violent. Oh, Sophia! Elle m'a planté littéralement là. Elle a largement affiché sa domination. Ah, la vilaine! Elle se venge de toutes les courses précédentes, la vilaine! Elle n'est pas revancharde du tout? Pas le coup. Allez, tremplin! Tremplin d'autoroute! Bon. Bon, c'était léger. J'ai pris la partie la plus basse du tremplin. Aïe! Attendez, 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 je vais vous lire les copains. Je finis ma course et je vous lis. Laissez-moi encore 1 minute, s'il vous plaît. Oh, le hall commercial va être bourré d'objets. Encore que non, ça m'a l'air assez dégagé. Donc le jeu de quilles a... Oh, le distributeur de boissons. Le jeu de quilles a déjà été réalisé. Bon, ça va, je m'attendais à pire. Cet escalier me porte préjudice. Voilà, et j'arrive pas à relancer ma bagnole. C'est d'un chiant. Ouf, le conteneur poubelle. Oui, je rallie l'arrivée. Yala. Oh là là, les chronos. 1,46. Je mets 2 minutes pour faire un tour. Ils mettent 1,46. Comment voulez-vous que je les rattrape? Alors, Dragon, tu me dis, je suis ravi que j'ai des... Quoi? Ah, pardon, j'aurais même pu à te lire. Je suis ravi que j'ai fait des essais
sur un jeu rétro PlayStation 2 avec le système émulateur PCSX2 en version développement. De prochaine mise à jour sera la 1.7 sur Scarface et ça marche très bien. Ah, donc tu peux émuler la PS2 et tu fais Scarface. Ah, bah c'est bien. Alors Torota me dit, ça te dérange si je fais un direct en même temps que toi? Ah non, ça me dérange pas du tout. Alors là, t'es libre à toi. Non mais vas-y. Enfin, t'as eu l'élégance et la politesse de demander. Mais sache que au contraire, j'encourage. Vous savez que je vous mets en lumière, je vous fais votre pub autant que possible. Et si vous pouvez diffuser en même temps, enregistrer vos rediffs avec votre point de vue, oui, je vous invite à le faire. Techniquement, on peut le faire, c'est génial. Ah oui. Vivi. Oui, on peut se retrouver sous vocal. Alors, j'attends la fin de mon ralenti. Je te laisse préparer ton direct, ton retard. Et puis, je pense qu'on va prendre bêtement, comme tout à l'heure, là, mon direct Twitch. Alors, Dragon, tu me dis, la version précédente de la 1.6 de l'émulation avait des soucis graphiques pour le jeu. C'est salutaire comme mise à jour vers la 1.7. C'est cool, Dragon. Je suis ravi que tu nous le dises. C'est une bonne chose. Oh mon dieu, ce cri. Cette sirène, je sais pas quoi là. Oui. Oh putain, c'était que le premier tour. Oh, violence routière. Ouch. Oh la clim. Je crois que c'est un énorme bloc clim qui est tombé. Le gros rectangle blanc. Alors Dragon, tu me dis ouais la version. Ah oui mince, bon, je te dis deux fois. Tout va bien. Je suis le diffuseur qui dit deux fois le chat de suite. D'accord. Oula oui, tu donnes la version précise de PCSX2. Mais c'est bien, parce que. En fait, ça veut dire que les développeurs sont dynamiques, que la communauté internationale est active au niveau de l'optimisation et le développement de l'émulateur PlayStation 2, c'est cool. C'est bien. Eh bien, ce jeu de qui ? Je peux me satisfaire à me convaincre de me dire que j'ai pu rallier l'arrivée. Parce que vu l'état de la bagnole et la... Ouais. Tout le bazar qu'il y avait sur la piste. Non, je suis bien content d'avoir rallié l'arrivée. Ah, petit Seb qui fait un direct sur les enfants de la forêt. Sons of the Forest. Alors que je veux surtout pas qu'on me divulgâche. Parce que j'aurais plaisir à jouer à Sons of the Forest dans le futur, dans bien des années. Puisque mon ordi est pas assez puissant actuellement. Alors que j'avais adoré le premier opus, The Forest. Je peux me vanter d'avoir fini 3 fois, dont la première fois lors de son développement. Il n'était pas encore officiellement sorti. Et je faisais partie des privilégiés. Et j'étais bao. Et bah dis donc, qui championnat, mon dieu. J'ai gagné de la thunache. Ah oui, je finis 5e. Que ce championnat est cruel. Alors, comme tu dis, Torota, vocal. Attends. Zappage. Il est où le Torota? Doudi doudi doudida. Bon, je pense que ça va être en bas d'un lit. Une erreur est survenue. Vérifiez votre connexion. Torota détecté. Bonjour Torota. Et bonjour le sage. Pouk. Alors, il va falloir que je quitte Flatout. Ça commence très bien. Oh. Oui, parce que le jeu ne capte pas que je suis connecté à Internet. C'est très très bien.
N'oublie pas de... Attends, tu me fais peur, Torota. Parce que j'ai vu ton alerte Steam. Comme quoi tu joues à Flatout 2. Mais c'est pas le Flatout 2 de Steam. À moins que tu l'aies écrasé dans le répertoire. Et c'est pas bien. Parce que il va voir qu'il est pas. Il est pas intègre. Et il va te réimposer en mise à jour sa version à lui, Steam. Ce qu'il faut faire, c'est prendre l'exécutable de Flatout 2 modifié par la communauté internationale qui est en mode multijoueur et qui ne se connecte pas à GameSpy mais à OpenSpy. Mais nous, on trichote avec GameRanger normalement. Encore que maintenant, tu me mets un doute. C'est peut-être pas GameRanger, ouais, c'est peut-être le GameSpy qui est intégré dedans. Ah oui, il le voit pas, c'est bizarre. Tu te souviens pas avoir un exécutable à part isolé de Flatout 2 qui correspond au multi OpenSpy Dragon Sky? Dragon Sky, Torota, pardon. C'est bizarre. Tu me poses une colle. Je vais aller voir ça de suite. Hop, je vais changer Sinon ça marchera ici. pas. Là, tu me poses vraiment une colle. J'ai la colle du Yule. J'ai la colle du Yule. Oh, je vais vous placer une bombinette dans mon chat. Nah. Désamorcera celui qui veut. Alors, hop, je clique sur Flatout 2. Alors, c'est étrange, pourquoi? Non, je vais retirer ma capuche parce que j'ai l'air ridicule, elle me tient trop chaud au crâne d'ailleurs. Ah voilà, j'ai eu Mmh. c'était bizarre. Flatout. Attends, Ouais, moi c'est je vais en bizarre. profiter pour me faire une petite peinard dans mon coin. Nya. Ça va être fou, ça les a. Oh mon Dieu. Les crânes finales, oh mon Dieu. Oh, Alors, je m'en c'est souviens le plus. Ouais, c'est un truc de fou. Oh. Je sais plus du tout. Tu es pelle doux. Ah ouais, non Oui, mais tu es pelle doux. complet. Ouais. Ah oui, non mais complètement. Je sais plus du tout comment on fait. Ça fait tellement longtemps que je l'ai plus utilisé. Ah, essaie de te souvenir. Souvenir, souvenir. Je vais la prendre en blanche, la tuture. Je fais une petite course en attendant que tu retombes sur tes pattes ou sur tes quatre roues. Ah bah merde, c'est la cause de tout à l'heure. Je pensais avoir pris une variante, bah pédu. Bonjour. Bonjour Dragon. Salut Dragon. Toi aussi, tu vas te joindre à nous pour le Flatout 2, je sais plus si tu l'as. Je ne sais pas si je l'ai, faut que je le regarde dans mes jeux Steam. Je regarde. Alors, attention, je me Et oui, il y a répète. Steam. Il y a Steam et GOG. Faut que je regarde dans les deux. Sachant que ni l'un ni l'autre proposera la bonne version. Il faut avoir un exécutable modifié que nous a cédé notre excellent Nayonet. Puisqu'on peut se retrouver ensuite dans OpenSpy, la C'est version bizarre. libre du multijoueur. On y avait déjà joué ensemble, pourtant, et là, Parfait. il OpenSpy ou GameSpy, tu veux dire? Alors, GameSpy est mort. Oui, Vive je sais bien. OpenSpy. Et oui, OpenSpy, ça s'appelle. et oui, et oui. Et du coup, D'accord. je sais plus comment je fais pour entrer sur le dossier. Alors, Là, c'est. Pardon, je m'adresse à vous. Dragon, déjà, assure-toi d'avoir le jeu Flatout 2. Ça, c'est la première étape. Une fois, si tu es affirmatif, je pourrais éventuellement te passer via Discord l'exécutable à. Je trouve même plus mon marche arrière. Bon, c'est une catastrophe, j'arrive pas à me relancer.
utilise plusieurs game supports faciles d'installation, open source, machin. Je vois ça. Il y a même un. Il y a le GitHub, je pense, pour télécharger sans doute le fichier, à mon avis. Alors, GitHub, c'est très particulier. GitHub est plutôt réservé aux développeurs, pas aux utilisateurs lambda. En général, tout ce qui est sur GitHub, en général, on peut récupérer le fichier d'installation. C'est vrai. Mais GitHub en soi, normalement, c'est une. C'est pas une méthodologie, mais c'est une manière de développer et de partager les versions de développement. Alors, TwinSen, G, I, T, espace, H, U, B, get, hub. Si vous cherchez bien, vous pouvez télécharger un manuel de 600 pages en français de comment utiliser, programmer et partager vos versions sur internet avec des développeurs du monde entier via GitHub. Voilà, je l'ai écrit dans le chat pour merci. Pour ça, voilà. Bien joué, Dragon. Ça va aider TwinSen dans ses recherches. Ouais, non, mais là, je trouve plus le dossier, c'est bizarre. Bah, t'as peut-être fait le ménage et tu t'en souviens plus, pardon, je comprends plus. Eh, y'a pas de soucis. Ouais, c'est pas de soucis, oui, voilà. Nye. Ah non, j'ai pas réussi à l'emboutir. Violence routière. Ouch. Oh oh. Je sais pas si Mayonnaise est là. Ah, c'est pour le jeu. Il aurait pu me rejoindre sur Discord, il aurait pu m'expliquer rapidement pour que je refasse tout. T'as la manip et puis Parce que là, je sais pas, soit il y a eu une petite mise à jour et puis ça l'a fait sauter. Je pense. Ou alors c'est parce que je l'ai désinstallé en réinstallant et bien, du coup ça l'a fait sauter aussi. Donc ouais. C'est chiant. Alors, attendez, pour vous deux, je vais remettre ma tronche en plein écran, pardon hein, mes spectateurs, mais c'est pour avoir un peu de discrétion dans mes manières. C'est ma faute, my bad. Je réfléchis, il faut que je revoie mon passif avec Nayonet quand il partageait l'exécutable. Ah, ben Nayonet. Voilà, je vois que vous galériez, je dis allez, et puis j'ai entendu Dorothée dire, oh Nayonet, il me faut de l'aide, alors je suis arrivé. Voilà. Donc, j'arrive, je peux vous aider. J'ai courté ma sieste, mais c'est pas grave. Je cherche l'exécutable qui permet de. Sieste, oui, franchement, je n'arrivais pas en fait. J'ai juste un petit coup de fatigue qui est rapidement passé. Je cherche Fallout. Flatout. Flatout, oui. Alors, je vais faire une archive. Ouais, on veut bien, merci, parce que même moi, je retrouve pas ce que tu avais partagé. Ou alors tu l'avais mis dans mes copains et on a tellement échangé depuis que... Zip. C'est ça. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, super. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin. Ouais, j'ai retrouvé le lien. Alors là, je vais vous le mettre dans le chat de la vocale Twitch, là où on est tous. Ouais. Ne bougez pas. Ok. Voilà. Donc vous téléchargez ça. Et en fait, vous avez un flat-out de modifié. Exact. On va se connecter en fait à OpenSpy, qui est la version libre et gratuite désormais du multijoueur. Donc quand vous avez votre répertoire d'installation, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'effacer votre flatout 2.executable.exe d'origine. Vous pouvez prendre ce fichier là, télécharger, l'isoler et l'appeler par exemple, lui changer de nom et lui dire multi avec les copains. Moi c'est ce que j'ai fait. Le mien j'ai isolé en entre parenthèses solo et j'ai fait un entre parenthèses multi. Comme ça, je sais quel exécutable lancer en conséquence. Ah, oui, c'est bien ça. Ça marche très bien. D'accord. On aurait pu avoir un développement vicieux qui contrôle l'intégrité de l'exécutable à son lancement. C'est libre au développeur de le faire, de dire « Attention, le nom n'est pas d'origine, donc je refuse de me lancer ou je fais un blocage, une erreur grave. » C'est possible en programmation. Là, ils ont été indulgents. Ils n'ont pas cherché à prendre la tête, si je puis dire, pour parler très familièrement. Et du coup, on est libre de pouvoir, on va dire, employer cette ruse. Comme ça, on peut faire coexister nos deux versions.
Donc là, je peux relancer le flat out et je vais voir si le flat out. Moi, je l'ai déjà vu. Non, flat out. Oui. Je vais lancer le truc et je vais voir. Alors chez moi, j'ai une erreur qui me dit impossible d'exécuter le code car des machins blablabla est introuvable. La réinstallation du programme peut corriger le problème. Ah merde, il faut que tu réinstalles proprement ton jeu avant de proposer l'exécutable modifié et Dragon. Bon, mais je dois faire quoi ailleurs. Oh putain. Il faut que je mette les commandes s'ils sont enregistrés. Alors, le temps que vous installez de votre côté, moi je vais créer un championnat. Hop. Oh, ça va pas prendre longtemps. C'est pas un jeu très gourmand. 2,6 Go. C'est parfait. On va tous se mettre à égalité. Vous aurez la même voiture que moi. Ah, Djalouf. Alors, ajouter des hiki. Non, je veux pas prédéfini. C'est moi qui choisis. Non. On va rajouter des chikwe. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Je jouais avec mon volant, ça fait du bruit. Je pourrais jouer avec mon volant, mais je peux pas. Ah. C'est cool de jouer avec le volant. Donc. Tout se passe parfaitement bien. Oh ouais. Génial. Parce que des fois, à force de faire tout le temps du ménage dans le PC, ben des fois on peut perdre des fichiers importants et puis on doit tout réinstaller. Moi j'ai galéré ce matin avec le sage avec Command Conquer Général, j'ai compris qu'en fait c'était une erreur de la base de registre qui avait pas été entièrement supprimée l'installation précédente, du coup le multijoueur ne marchait pas. Et j'ai astucieusement contourné le problème. Voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je m'en suis pas aperçu tout de suite, je sais pas. Je vais couper tout le direct. Après, je remets des circuits. C'est bien, ça me laisse vraiment le temps de paramétrer ce que je veux. Ah bah tiens, j'ai fait replanter le jeu, super. Pour info, le sage, j'ai téléchargé 3 jeux de Mega Drive de Steam. Ah oui, je les veux. Mais tu les as déjà, les 3 jeux. Oui. Et si c'est des jeux multi comme Les Rues de la Rage, Tooth of Rage, je me réjouis d'avance. C'est celui-là. Ah bah c'est ouais, celui-là que j'ai pris. Plus, ah oui, c'est un vrai, c'est marrant ça. Ah, c'est très drôle. Celui-là, plus Shinobi, un jeu qui est un peu plus dur. Ah ouais, je l'ai eu Shinobi à l'époque. Il est dur, ah ouais, pas qu'un peu, il est dur, Shinobi. Ouais, Shinobi, ouais, c'est vraiment dur. J'ai déjà eu plusieurs fois la mauvaise fin, mais jamais la bonne, parce que trop exigeant. Et je me souviens d'ailleurs, encore une anecdote, feu mon papa, lui, il avait été choqué en bon kato. Il avait vu le niveau où il y a les bonnes sœurs, en fait, qui sont des ninjas à poignard, là. Tu crois croiser une bonne sœur, et en fait, quand elle est dans ton dos, elle fait tomber son voile de nonne, et tu vois que c'est une nana en cuir qui a un couteau dans chaque main, et qui te les plante dans le dos. Et mon père, il a vu ça, il a été choqué, il dit hey, « Eh oh, c'est blasphématoire, c'est pas bien. C'est méchant envers les cathos. » Enfin, bon... Après, ça, c'est des jeux de Mega Drive. Hein, ça remonte il y a des années et des années. Années 80. Début années 90, de mémoire. Bah, je pourrais pas vous rejoindre à votre simulation de course parce que je ne possède pas le jeu. Oh. Ni sur Steam et ni sur GOG. Oh. Ah mince. Donc, voilà. Bah tant pis, ce sera une prochaine fois, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, Dragon. Oh, ouais. Tu m'envoies navré. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Bon bah, en compensation, mais c'est une triste compensation, je te nomme commentateur en chef, Dragon. Pour pouvoir commenter nos âneries en direct. Oui, ça va voler de partout.
Ça va être incroyable. La prend blanche. Ah mais merde, non, attends, les autres vont venir me voir. Ouais. Merde, j'aurais pas dû valider tout de suite, j'aurais dû attendre que vous soyez prêts. Parce que j'ai des inconnus qui vont se connecter. J'en ai plus pour très 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 longtemps, là j'en ai pour sacré événement. Même pas 3 minutes, même pas 2, 3. Ah, Nayonet, ouf. Voilà, attends, d'ailleurs je vous connecte au bidule, il a, que je ne le plante pas. Et après, Flatout, je vais me lancer sur du Cuphead. Oh! Ah ouais, bien, Cuphead. Bah, je pense que quand tu feras ton Cuphead, je ferai sûrement avec Edge du golf, moi, de mon côté. Ah, du golf, c'est bien ça. Ouais. Ouais, ouais. Oh, mais si tu fais du golf... Lequel golf, alors, lequel golf que tu parles, le singe? Oh, je pense que ce serait le Around. Ah bah oui, justement, je l'ai, ouais. Bon, bah c'est bien. On pourrait se retrouver à plusieurs dans Golf Around tout à l'heure. Enfin, voilà, 100% plaisir. Chacun fait ce qui lui plaît. Golf Around. Golf Around, Golf Around. Là, moi, dans ma partie solo de Stardew Valley sur PC, ben, j'ai bien progressé. Télécharger, je relance. C'est cool, Dragon. Hop, je peux couper ça. Tu t'es pas cassé la binette? Non, ça va. Elle est précieuse, la binette, dans Stardew Valley. Et même à un moment donné, je t'avais présenté un petit peu les qu'est-ce qu'il y avait comme mode, surtout pour les marchands, c'était hallucinant. Ah oui. Les objets qu'il y avait et surtout combien ça coûte. C'est hallucinant. Oui, t'avais eu la gentillesse de vérifier votre connexion, ça recommence. Ah mince. Oui. Oh, c'est bizarre ton bug, Tordi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, Dragon, t'avais eu... Pardon, j'ai fait tomber mon clapet de webcam parce que je suis en train de renouer l'élastique de mon micro pour pas qu'il se casse la figure. Mais oui, Dragon, t'avais eu la gentillesse de me partager des captures d'écran, des modes internationaux de Stardew Valley pour me donner une idée. C'est vrai que c'est un univers que je connais pas du tout, je me suis jamais amusé à regarder, mais j'en doute pas. Je vais couper mon direct et puis je vais voir avec toi Nayonet en off vite fait sur Discord. Voir. Ouais, si tu veux, ok. Oui, on va faire ça. À tout de suite. Ouais. Ah merde, j'ai du monde qui s'est connecté. Désolé, c'était vraiment pas voulu. Ouais, bah ouais. Attends, je vais leur dire... Mercredi. Qui s'est connecté. Oui, bah oui. Attends, je vais leur écrire. Alors le truc, le Open Spy, ils m'ont proposé un logiciel de chez eux. Je sais pas si ça j'étais là encore. Si je t'écoute. Du coup ils m'ont proposé un launcher de chez eux, de chez OpenSpy, parce qu'il fallait rejoindre le Discord pour pouvoir récupérer le launcher. D'accord. Et je comprends pas trop comment ils fonctionnent, leur machin. Donc c'est un peu compliqué, leur système. Non, sorry. Non. Attends.
Voilà, je me suis excusé. Ils sont partis d'eux-mêmes. Attends, du coup, je vais faire un... Si je fais retour, je casse complètement ma programmation ou pas? Ou est-ce qu'il s'en souvient? J'ai aucune idée. Voilà, je teste. Prédéfini, c'est quoi? Tournoi extérieur, tournoi forêt, tournoi des églises. Des défis mixtes. Défis grand derby. Défis spéciaux, défis grande cascade. Ça correspond en rien à ce que je souhaite. Donc c'est à vous, il faudra que vous me disiez quand vous vous sentez prêt en fait. C'est pas évident du tout. Ah c'est vrai, la vie de Pueblo. Bah, ils disent pour votre jeu que sur le Open Spy, ils disent que c'est full support hein, sur PC. Ouais, c'est très très bien foutu. Ouais. Tu m'étonnes. Il y a même un guide exprès pour pouvoir. Un guide qui est sur le Open Spy pour voir comment lancer la partie multijoueur. Mais c'est très technique. Hein. Il montre pas à bas, mais c'est super technique. D'accord. J'ai fait une traduction en français pour voir qu'ils disent. Mmh. Correctif générique, machin, cette méthode peut fonctionner, machin, blablabla. À condition que le jeu ne dispose pas de DRM ou d'exe chiffré. Donc, c'est-à-dire, si on a le jeu sur Steam, on peut pas le faire. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est logique, ça se tient. Bah oui, c'est normal, parce que tout ce qui est ancien jeu, il faut... tout le contenu sans DRM. Parce que le DRM, c'est une protection de fichiers. Yep, exactement. C'est vachement technique, hein. Oui, il faut Bac plus 50 pour maîtriser le sujet. Ah là, la première étape d'ouvrir l'exécutable, ouvrir le fichier cible avec un éditeur hexadimal. Pardon ? Oui, c'est ouvrir un... ouvrir le fichier cible avec un éditeur hexadimal, tel que HXD. Hexadécimal. Ouais, hexadimal, ouais, c'est ça. Merci. Oui, je... Tu as inventé un mot, avoue-le. Oui, voilà. C'est pour ça que tu m'as fait tiquer, j'ai dit comment. pour ça ta réaction, t'avais pardon. Ah ouais, non mais... Alors, je sais pas, je me tourne vers Nayone et Torota. Je sais pas si vous arrivez à retomber sur vos pattes. Ou vos quatre roues. Parce que mon championnat est prêt. Nous avons perdu Torota et Nayone dans une dimension parallèle. Torota et Nayone, on vous demande à l'accueil. C'est ça. Mon championnat, il est prêt! Ouais. Le championnat des copains! Bah merde alors, je m'attendais pas à ce qu'il galère autant à mettre en place le... Rota et Nayone, on vous demande de préparer sur la piste, préparer votre bagnole. Bah oui, ils vont venir.
Bah, je vois que Nayone est connecté à ma chaîne, par contre Torota il s'est complètement déconnecté. Est-ce qu'il a pas relancé son ordi? C'est peut-être possible. Sent-il le sol vibrer tout à l'heure là? Bon, ah il bon y a une seconde, une c'est seconde et demie à. Je sais pas, j'ai entendu un gros vacarme qui est tombé. Oh. Je sais pas c'est quoi. La foudre, peut-être. Non. Non, peut-être pas. Oh. Non, parce que. Non, parce que là j'ai des nuages blancs, enfin gris. Mais ça m'a fait foutu la peur là. Oui. J'ai sursauté. J'y couche, oui. Ah, les copains, vous faites quoi? Ah, je suis tristounet de me dire que Torota est dans la panne technique. De réseau. Bah oui. Pourtant c'est pas la mer à boire. J'ai bien sur mon chat. Nayone tout à l'heure qui a écrit j'ai entendu le mot jar incroyable Nayone. J'adore quand il se prend la couronne de laurier. Ah oh là là, il est extra. Ouf. Les copains, qu'on fasse les foufous là. Là, du coup, je suis en train de poireauter en direct dans le menu pour Twitch. Je sais pas ce qu'il y a de plus passionnant. Je suis désolé, cher public. Nous faisons des bêtises. Et ce qui est bien maintenant dans Stardew Valley, maintenant j'arrive à maîtriser mieux le jardinage. Ah. Tu gagnes en expérience, mais de par toi-même, en dehors des statistiques du jeu, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est cool. Bah avant, j'étais que niveau 1 en jardinage. Là, je me suis dit, ça serait peut-être bien que je fasse un peu de jardinage. Parce que ça permet de débloquer des nouveaux plans de fabrication. C'est vrai. Donc, j'essaie un peu d'équilibrer à tous les niveaux. Bah, le plus qui je suis habitué, c'est le minage, évidemment. Ça, je le cache pas. Hein. Pour ceux qui connaîtraient pas encore Stardew Valley, il faut rappeler qu'il y a 10 niveaux d'expérience par discipline, on va dire. Il y en a 5 des disciplines. Il y a la pêche, le fait de miner, effectivement. Le fait de. Extraction minière, le combat. Le combat, l'agriculture, et la cueillette. C'est la cueillette, oui, exact. J'ai rigoureusement été exact. Bah alors, les copains, vous faites quoi? Ce qui me rend nerveux, c'est de plus les avoir. Ils ont dû partir en privé, on les a perdus. Attendez, je zappe un peu. Ils ont dû partir en. Attends, je vais écrire un mot sur le chat de Torota. Vous vous en sortez ou quoi? Je suis une tribus. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai, faut que je prépare mon planning pour la semaine prochaine. C'est vrai, j'ai complètement zappé qu'on est déjà lundi. Oh là là. On est lundi, le pack. Alors, il doit être en communication privée, les garçons, parce que je les détecte même plus sur nos. Quel que soit le Discord, je les vois même plus. Moi, c'est quand même étrange. Je suis dans l'embarras. On arrive bientôt, Torota galère avec son double écran et le jeu. Ah, ok, merci. Ah, ouf. Il y a double écran. Hein. Re. Ah, re. Je prends le sage. Ouf. Oui, ça y est, ça s'est relancé, sauf que maintenant j'ai un autre souci. Oh. C'est que le jeu, au lieu de se lancer sur mon écran d'ordinateur, se lance sur mon deuxième écran. Donc du coup, ça ne fait quoi qu'il y ait plus. Je conçois.
Je suis garni. Donc j'essaie de trouver le moyen de ouais. remettre sur l'écran du jeu. Mais fait deux, trois parties, là, tranquille, le temps que je trouve le problème de... Ouais, alors, bonne idée, parce que moi, j'ai pas double écran, donc je sais pas. À ce point... J'ai pas compris pourquoi il s'est mis sur l'autre écran. Attends, je réfléchis, si je peux pas te donner une astuce. Alors, mais ça fonctionne rarement. Quand tu as le focus sur une application, donc dans ton cas, quand tu seras dans FlatOut 2, je crois que tu peux lui imposer un écran par raccourci clavier. Tu restes appuyé sur Alt et tu fais les flèches gauche ou droite pour dire je veux basculer vers un autre écran. Ah. Tu restes appuyé sur Alt et tu fais flèche gauche ou droite. Il y a un truc comme ça. Il y a un raccourci où tu peux dire je bascule d'une... Je vais tenter une fenêtre à l'autre. Merci, le sage, j'apprends un truc. C'est pas sûr. Je confonds peut-être avec Linux. Ça le fait pas, non. Ouais, bah je dois confondre avec Linux. Ah, ok, désolé. Bon, ça marche pas. Mais je sais qu'il y a un truc, mais il doit y avoir un équivalent sous Windows qui est peu connu. Mais c'est dans la logique informatique, il doit y avoir un moyen. Je suis en train Moi, chez moi, ça marche le bouton Alt avec les flèches gauche et droite. Ouais, ça fonctionne de ton côté, Dragon Sky. Bah, ouais. Bon. Moi, alors, sur Windows, ça fonctionne. Ouais, Shift, ça marche pas, c'est pas pareil. C'est en fait, TwinSense, c'est le Alt Tab, c'est pour passer entre les applications sur le même écran et pas d'un écran à l'autre des applications. C'est autre chose. Alt Tabulation, en fait, c'est effectivement pour passer d'une application à une autre. Alors que moi, l'astuce avec Alt et les flèches, c'est faire basculer la fenêtre qui est active vers un autre écran. C'est pas pareil. J'étais impatient de conduire une voiture, alors je me suis lâché. D'ailleurs, ça peut même provoquer un effet spécial de retourner l'image. Enfin, c'est davantage utilisé sur les ordinateurs portables, ça. Ah oui, le renversement de l'image. Ouais. Bon, en bas. De gauche à droite. Pour le confort de mon public, je vais couper mon enregistrement YouTube parce qu'on a eu un long moment de technique à bavarder entre nous sans jouer. Ouais. Pas de soucis. Je vais faire une coupure propre là parce que, sans déconner, je crois que j'ai un enregistrement d'une heure de FlatOut. Alors, certes, j'ai joué un peu, mais pour ceux qui vont passer directement où là, il y a un peu d'action.